Ouais, non, très honnêtement, ouais, entièrement prêt. Après à la suite de l'échauffement, où on s'est très bien préparé pour le match, j'étais chaud à le jouer. Après, il y a eu ce rebondissement où on a dû attendre 10 minutes. Et après ces 10 minutes, par contre, je l'avoue, très honnêtement, j'avais plus du tout envie. Mais très honnêtement, dès qu'on est rentré au vestiaire, on était tous prêts à le jouer. Parce que dans nos têtes, c'était sûr qu'on allait le jouer. Étant donné que c'est déjà arrivé plusieurs fois, notamment par exemple l'année dernière à Oyonnax, je me rappelle, il y avait eu Oyonnax-Perpignan qui avait joué sous la neige, mais bon, c'est un synthétique, du coup ça fond peut-être plus vite, mais avec les flocons qui tombaient comme ça, bon, c'est sûr qu'après les 10 minutes passées, c'était impossible de jouer parce que tous les flocons recouvraient les lignes. Après, c'est pas difficile, étant donné que c'était le soir, on est vite passé à autre chose. On a de suite enchaîné. Ça aurait été peut-être plus compliqué si on avait dû le jouer mardi, parce qu'il y a eu plusieurs suppositions. On pouvait le jouer le samedi, on pouvait le jouer le mardi. Donc du coup, ça aurait été peut-être plus compliqué de le jouer en semaine, étant donné qu'après on jouait Colomiers. Mais voilà, il faut arriver. C'est simple à basculer d'un match à un autre. C'est un peu comme si on l'avait joué au final, sauf que ça a été reporté. Bon. Il faudra le jouer quoi qu'il arrive, et j'espère qu'on le gagnera aussi. Mais en tout cas, je sens et j'ai senti sur ce match peut-être comme un effet de groupe, peut-être comme un effet de chaleur, que le groupe s'est bien préparé pour aller jouer Colombien. Bah ouais, ça aurait été bien si on l'avait joué, si on avait pu le gagner le week-end dernier, mais je pense que, comme je viens de dire, on s'est resserré tous ensemble, peut-être pour se donner la chaleur le jour du match, mais j'ai senti quand même que le groupe avait bien préparé ce match, et je pense que là, cette semaine, on est allé de l'avant, et cette semaine, on a fait encore une très bonne semaine de préparation. Donc voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les ingrédients, comme on dit, jeudi.